Je réponds rapidement à une ou deux questions qui ont été posées sur le forum. Je tiens à vous dire tout de suite que, par exemple, écrire 10 exposant 3 à la base 2, voire à la base 16, bon, présente un léger intérêt, mais tout le reste, à mon sens, n'a pas vraiment trop d'intérêt, donc il ne faut pas trop vous encombrer. Ceci dit, je vous apporte un petit peu un élément de réponse pour 10 exposant 3, base 2, puis base 16. Alors, il faut savoir d'abord que A plus B au cube, A plus B au cube, identité remarquable, c'est A3. Donc c'est A3 plus 3A2B plus 3A2 plus B3. Donc très bien. À partir de là, en plus B3, à partir de là, 10 au cube, c'est tout simplement 2 fois 5. 2 fois 5 au cube, soit 2 au cube fois 5 au cube. Alors maintenant, je vais détailler le calcul de 5 au cube. 5 au cube, c'est tout simplement 4 plus 1. 4 étant égal à 2 au carré plus 1. Donc 2 au carré, ça fait 4 plus 1, ça fait 5. Donc 2 au carré plus 1, le tout au cube. J'applique l'identité remarquable que voici, ce qui me donne 2 exposant 2 au cube plus 3 exposant 2 exposant 2 au carré fois 1 plus 3 fois 2 exposant 2 fois 1 au cube plus 1 au cube. Donc en détaillant tout ça, ça me fait 2 exposant 6 plus 3 fois 2 exposant 4 plus 3 fois 2 au carré plus 1. Ensuite, on peut tout simplement écrire 3 comme étant égal à 2 plus 1, donc 2 plus 1, 3, que multiplie 2 exposant 4 plus 2 fois donc 2 au 2, pardon, 2 plus 1, le tout fois 2 exposant 2 plus 1. Donc ici, il y a une toute petite erreur. Donc il fallait lire ici 3 fois donc, là c'est 3 fois 2 exposant 2, puisque ça fait 1. Très bien. Alors, en développant davantage, ça me fait donc 2 exposant 6 plus 2 fois 2 exposant 4, ça fait 2 exposant 5. Une fois 2 exposant 4, ça fait 2 exposant 4. 2 fois 2 exposant 2, ça fait 2 exposant 3. Une fois 2 au carré, ça fait 2 au carré, tout simplement plus 1. Donc ceci est tout simplement égal à 5 exposant 3 ou 5 puissance 3. Maintenant, on va effectuer l'opération 5 au cube, 2 au cube, que multiplie 5 au cube, pour calculer effectivement 10 exposant 3. Ce qui me donne 2 au cube fois ben, tout ça, donc 2 exposant 6, plus 2 exposant 5, plus 2 exposant 4, plus 2 exposant 3, plus 2 au carré, plus 1. On distribue, ça fait 2 exposant 9, plus 2 exposant 8, plus donc 2 exposant 9, plus 2 exposant 8, plus 2 exposant 7, plus 2 exposant 6, plus 2 exposant 5, plus 2 au cube. Alors, autrement dit, si je détaille ça, ça fait 2 exposant 9, plus 2 exposant 8, plus 2 exposant 7, plus 2 exposant 6, plus 2 exposant 5, 5, plus 0 fois 2 exposant 4, plus 1, 2 exposant 3, plus 0 fois 2 au carré, plus 0 fois 2 exposant 1, plus 0 fois 2 exposant 0. Alors ici, bien sûr, j'ai mis 1 fois, 1 fois, 1 fois, etc. Donc,
10 exposant 3 base 2 est tout simplement égal à 1, 1, 1, encore 1 et encore un 1. Là, attention, il y a un 0 et suivi de, alors 1 bien sûr pour le 3 et suivi de 3 0. 3 0. Donc 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1 et 3, 0. Très bien, j'en profite pour écrire ce nombre à la base 16. J'en profite pour écrire ce nombre à la base 16. Donc j'écris, nous avions donc 10 au cube. 10 au cube, c'est, on avait écrit 2 exposant 9 plus 2 exposant 8 plus 2 exposant 7 plus 2 exposant 6 plus 2 exposant 5 plus 2 exposant 3 plus 2 exposant 3. Alors vous savez que 16 décomposé, 16 est tout simplement égal à 2 exposant 4. 2 exposant 4 est égal à 16. Donc on va écrire ce nombre en base 16. Donc je vais décomposer. Alors 10 au cube égale, c'est quoi 2 exposant 9? C'est 2 exposant 8 que multiplie 2, c'est-à-dire 2 exposant 4 au carré. Ça me fait 2 exposant 8 fois 2, ça me fait 2 exposant 9. 2 exposant 8, c'est 2 exposant 4, le tout exposant 2. 2 exposant 7, c'est 2 exposant 4 que multiplie 2 exposant 3. 2 exposant 6, c'est 2 exposant 4 que multiplie 2 exposant 2. 2 exposant 3, c'est tout simplement 2 exposant 3. On ne touche pas. Donc ça me fait ici 16, 16 au carré que multiplie 2. Ou 2 fois 2 fois 16 au carré. Ensuite, plus tout simplement 16 au carré, plus 8 fois 16, plus 8, 4 fois 16, 4 fois 16, je dis pas de bêtises, 2 exposants, ah pardon, 2 exposants 4, et j'en ai oublié 1, j'ai oublié 2 exposant 5 ici, qui est égal à 2 exposant 4. Alors 2 exposant 4. 2 exposant 4 ici. 2 exposant 4 fois 2. Plus 2 exposant 3. J'arrive du mal à écrire. Voilà. Donc là, ça me fait. Pour celui-là, c'est 4 fois 16. Pour celui-là, ça fait tout simplement 2 fois 16. 2 fois 16. Et enfin, pour le dernier, ça me fait tout simplement plus 8. Tout seul. Alors là, je regroupe. 2 plus 1, ça fait 3. Ça me fait donc 3 que multiplie 16 au carré. Plus 16, 4 plus 4. 8 plus 4, ça fait 12. 12, 12 plus 2, ça fait 14, que j'écris comme ça. 14 fois 16. Vous allez voir pourquoi. Plus 8. Plus 8. Bien sûr, en base de 16, vous avez compris que ça arrive à 9. Ensuite, le 10 correspond à la lettre A. Ça va plus, c'est plus facile. Le 11 à la lettre B. Et vous avez compris, 12, C. 13, D, 14, E, et bien sûr 15, F. Donc ce nombre-là, base 16, s'écrit. 10 exposant 3, base 16, s'écrit. 3, E, 3, E, E, 8. 3, E, 8. Donc 1000, base 10, est égal à ce qu'on avait écrit tout à l'heure, est égal à 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, suivi de 3, 0, base 2, ou alors, tout simplement, ou alors, 3, E, 8, base 16. Ceci complète le corrigé du premier exercice.